Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire la dégustation des légumes au poney. La dernière fois je leur ai fait tester des fruits, donc on a pu constater que Gossip a été la moins difficile des trois puisqu'elle a tout mangé. Bilbao il a goûté un peu de tout, mais c'est vrai que la banane il a pas trop apprécié, et la plus compliquée a été Golden qui n'a pas aimé la banane et qui n'a même pas voulu goûter les framboises. Donc aujourd'hui on va faire le test avec les légumes, voir s'ils sont plus compliqués ou pas. Personnellement je suis pas une fanat des légumes, mis à part les haricots verts et les épinards. Voilà, moins j'en mange, mieux je me porte. Donc on va voir si les poneys me ressemblent ou pas. Comme je vous l'ai dit pour la vidéo des fruits, ne sachant pas ce qui était bon ou mauvais pour eux, et bien je suis allée dans la facilité. J'ai tout simplement repris les aliments que Capucine de la chaîne Tree Earth avait utilisé quand elle avait fait le test sur les loulous. Donc au niveau des légumes, j'ai pris la carotte, le navet, le radis, le concombre et l'endive. Donc comme la dernière fois, on va tester tout ça sur les trois et voir celui qui est le moins difficile au niveau de ces aliments là. Donc on est parti. Le premier légume qu'on va leur faire tester, c'est la carotte. Alors la carotte, ils en ont toujours eu. La friandise que je leur donne quasiment tout le temps. J'évite un peu les friandises un peu sucrées, voilà, etc. Une carotte, ça fait largement l'affaire. Donc s'ils aiment pas, c'est vraiment qu'ils le font exprès pour la vidéo. On va tester avec Miss Gossip, qui me salit encore une fois énormément. Donc on va voir si pour elle, elle adhère la carotte ou pas. Tu adhères ? Oui. Hop là, c'est adhéré pour Miss Gossip. Bibi ? Non, on a Miss Golden qui fait acte de sa présence. Non, non, allez, ouste. Non, tu l'as eu, tu as eu. Tu ouste. Tu prends Golden ? Tu prends ? Bon, allez. Golden, c'est acquis également. Bibi ? Viens. Bibi ? Et Monsieur Bibi ? On est bon aussi. Bon, allez. Tout le monde est good pour la carotte. Oui, bah attends, laisse-la aussi un peu pour Golden. Oui, attends. Hop là. Tiens, ma fille. Prochain légume qu'on va leur faire tester, c'est le radis. Donc, ils n'ont jamais goûté de radis encore. Donc, on va voir s'ils aiment ou pas. On va tester avec Gossip. Bon, elle mange ça comme du petit pain. Donc on va tester. Hop, ouste, attends. On va tester sur Golden. Bon, elle mange. Elle aime aussi le radis. Bon, les deux filles aiment les radis. Bibi, viens, Doudou. Viens. Attends, ouste. Viens. Tu testes. Bon, bah voilà. Bon bah le radis est validé par les trois également. Oui, chicotote. Ils chipotent moins avec les légumes qu'avec les fruits. Hein. Purée, ils sont totalement mon contraire. Les radis, je déteste ça. Les gens qui le mangent et qui coupent en une croix au milieu et qui mettent du beurre, là, le beurre salé, t'aimes pas. Le prochain légume va être le navet. Donc personnellement, moi j'aime bien le navet dans le pot-au-feu. Quand il est bien cuit et tout, franchement ça c'est quelque chose que je mange assez facilement. Bon, je recouvre tout le légume avec de la mayonnaise, mais voilà, en soi j'aime bien le navet. Donc on va tester avec les loulous. Donc là je les ai coupés en morceaux parce que ne sachant pas voilà, ils peuvent croquer ou pas. J'ai pris des petits morceaux, donc on va tester. Qui veut tester en premier ? Gossip ? Elle mâche. Elle mâche. Bon. Bibi, tu prends ? Bon, bah Gossip, elle mange. Hein. C'est bien. C'est une grande fille, ça. Écoute. Bon, et les deux loulous, vous m'aidez pas, là. Hein ? Bon, bah, elle chipote. Non, t'en as eu. Tiens, goûte. Troc. Troc, voilà. Peut-être qu'elle veut croquer. Bon bah. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Goûte.
C'est bien, faut goûter au moins. Même si on n'aime pas, on goûte. Goûte. C'est comme le gossip. Regardez, elle goûte. Doucement, vous allez bouffer les mains. Alors, ne sachant pas avec les sortes de petits pépins, j'ai coupé du coup les concombres au milieu. J'ai enlevé les petites graines quoi. Donc on va tester comme ça. Tu testes, Bibi? Tu prends? Non? Tu goûtes? Ah, ça chipote. T'aimes pas? Gossip, bien testé. Oh bah ça, l'ignorance totale avec le concombre quoi. Gossip, viens, viens là, viens Nénette, viens. Le concombre? Elle mange tout elle. Gossip, elle mange de tout, c'est impressionnant, je pensais pas qu'elle était comme ça. Moi je pensais que Bibi allait tout ingurgiter en ne sachant même pas ce qu'il allait manger. Mais au final il fait quand même son difficile sur quelques trucs. Mais Gossip elle mange de tout, je suis super contente. Non bah non, mais prends directement mes rondelles. Elle veut manger directement la source. Bon bah du coup concombre, il n'y a que Gossip qui aime. Les deux autres ils ont même pas essayé de goûter. Et comme vous avez pu voir ils sont partis en mode: qu'est-ce qu'elle nous ramène? Vite, barre-toi avant que ça, nous bouffe. Bon bah, c'est bien encore. Je suis contente. Je suis hyper... Aïe, ça c'était mon doigt. Bon, le dernier légume du coup, c'est l'endive. Bon, ils sont tous partis là-haut. Qui veut de l'endive? Qui veut tester l'endive? Tu goûtes l'endive? Tu prends l'endive? Oh la chipoteuse! Mange? Non? Eh, c'est le deuxième légume que tu goûtes pas. Hein. Tu prends? La chipote, hein? Non, t'en veux pas? Bibi, tu viens goûter l'endive? Bibi! Tu prends l'endive? Tu prends? Il mange l'endive. C'est bien Dudou. Ah non, si il croque. Il croque. Si il mange. Il a mangé l'endive, c'est bien. Gossip. Si, il mange bien, il aime bien. Bah goûte toi aussi Golden du coup. Si lui il goûte, c'est que c'est mangeable, non? C'est pas de la merde que je te donne. Bon bah non, hop. Gossip! Il aime bien l'endive. Il aime bien. Oh oui! Ouf! Bah laisse-en à Gossip. Wow, moi je me mélange dans les prénoms, c'est horrible. Oui! Oui! Ça marche? Goûte au moins! Ouais, voilà! Ça c'est bien, Golden! C'est très bien! Oui! Ouais! Voilà! C'est bon, je suis allée chercher la mémère. Tu goûtes? Allez hop, aucune difficulté pour Miss Gossip. Hop là! Elle en a pris un bon, hein! Bon, bah validé aussi. Bon, je suis contente, Golden, elle a quand même testé. Tu prends? Tu en reprends? Non, Bibi, t'en as eu assez, toi. Tu reprends? Oui, ça c'est bien. Bon, ça va, elle aime bien. Elle aime quand même. Bon bah c'est super ça. C'est super ça. Ouais. Bon ça marche. Oui oui allez hop. Oui, doucement vous allez me manger les doigts. Doucement. Bon bah prends le reste. Voilà, il y en a plus. Bon du coup débrief de cette dégustation. Je suis vraiment hyper fière de Gossip qui a encore une fois fait l'élève modèle. Elle a tout mangé, elle a tout dévoré à chaque fois que je lui proposais quelque chose. Donc je suis vraiment impressionnée. Je pensais vraiment que c'était Bilbao qui était plus du genre à tout manger en fermant les yeux sans même savoir ce qu'on lui donnait. Mais il se méfie un peu plus et mes Gossip,
Franchement, je suis hyper contente. Mon Bilbao, il a un peu chipoté au niveau du concombre, hein, même pas vouloir goûter. Mais sinon, le reste, il a à peu près tout mangé. Je pense que le navet, il avait un peu du mal, mais au final, ça a été. Et au niveau endive, pas de grandes difficultés non plus. Mais la plus chipoteuse, eh bien, c'est encore une fois Golden, qui n'a pas voulu toucher le concombre, qui a un peu chipoté au niveau du navet, mais a quand même fait l'effort de goûter, ainsi qu'avec l'endive. En fait, Golden, c'est un peu un enfant, en fait. C'est du genre, tu lui proposes des légumes, ah non, j'aime pas ça, tu lui dis, ouais, mais t'as jamais goûté, ouais, mais j'aime pas ça, quoi. Et au final, une fois qu'on la force un peu et qu'elle goûte, bon, au final, elle se rend compte que c'est pas si mauvais ce que je lui donne. Donc voilà, mais je suis vraiment très contente, ça me fait très plaisir de tester des légumes et des fruits à mes loulous. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi, je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Tu dis salut? Oh.